4. Très bien. Et merci en pile. Conférence de presse jodia, ce collectif victime massacre avec insécurité dans le quartier populaire au Cap Bailly. C'est mon Bel Air, mon La Saline, mon Cité Soleil, mon Fortouron, mon Wav Jérémy, mon Cafoufeuille qui mettait ensemble, qui fait collectif ça. Nous, même avocats collectif là, nous avons une responsabilité pour nous accompagner. Yo. Et nous disons, nous prenons note, département du Trésor américain, il prend sanction contre trois personnes qui participaient à le massacre La Saline. Nous prenons note que le corps groupe là, il sortit en position, en note, côté, il est condamné. Décret, Jovenel Moïse prend pour le faire Agence Nationale Intelligence, qui sont véritables coton tomacout, et décret sur renforcement sécurité publique. Nous dit, nous ouais bagay ça, nous tendeyo, mais ce n'est pas suffisant. Tout le monde connaît massacre La Saline, c'est un massacre d'État. Et RNDDH, une organisation de monde qui a fait un rapport extraordinaire sur le massacre de La Saline pour te montrer une quantité de monde qui mourit, quantité de monde qui violé, quantité de monde qui blessé. RNDDH lui dit très clairement dans le rapport li, que le massacre de La Saline c'est un massacre d'État. Et au massacrer la population de La Saline, Cité Soleil, Bel Air, il y a une façon pour être capable de craser la capacité de mobilisation opposition. Parce qu'on connaît l'opposition qu'on a fait manifestation, eh bien, on a toujours une quantité de monde qui sortit Delma 2, Delma 4, Delma 6, La Saline, Bel Air, Cité Soleil, dans la troisième circonscription pour venir participer à la manifestation. Ils ont massacré la population, ils ont mis des gangs dans tout le pays, dans tout le quartier populaire, yo, pour yo prendre le quartier populaire en otage, pour craser, pour casser la capacité de mobilisation. Yo. C'est un massacre d'État. Et si c'est un massacre d'État, ce n'est pas seulement Fedner, mon chéri, et Pierre-Richard Duplan, et Barbecue qui est responsable. Les plus hautes autorités politiques du pays, ils ont une responsabilité dans le massacre qui fait La Saline, Cité Soleil, Bel Air, Wav Jérémy, Fortouron, Cafoufeuille. Ça veut dire, sanction département trésor américain prend, faut prendre même sanction contre Jovenel Moïse tout. Ils ont fait pour prendre sanction ça contre Jovenel Moïse tout, qui c'est chef régime non, qui a intérêt dans massacrer population, hein, intérêt dans craser capacité mobilisation opposition à l'actualité civile là. Faut prendre sanction ça contre monde qui était ministre justice, monde qui était ministre intérieur. Tout gros baron régime non, faut prendre même sanction ça contre Martelly, contre tout monsieur PHTK yo. Notre corps groupe là qui dit que décret yo est antidémocratique. Nous tendez, mais ce n'est pas suffisant. Le plus important, c'est que la communauté internationale doit cesser, doit arrêter de supporter un régime criminel. Un régime qui a violé le droit de l'homme dans le quartier populaire. Un régime qui fait alliance avec bandits, avec barbecue, avec Genève, pour tuer le monde, pour kidnapper le monde dans le quartier populaire. Il est immoral que la communauté internationale continue de supporter ce régime, ce gouvernement. Je vous dis à nous tous, nous connaissons d'après la Constitution, hein, mandat Jovenel Moïse a fini 7 février 2021. Il dit lui-même la parole pour le rété. Et c'est là qu'attend la communauté internationale. Là. L'hypocrisie de la communauté internationale est inacceptable aujourd'hui. Nous besoin, nous-mêmes, peuple haïtien, que la communauté internationale, là, collectif victime massacre qui fait dans le quartier populaire, yo mandé la communauté internationale là suspendre supporter le gouvernement criminel. Ça, pour la justice haïtienne capable de jouer un moyen pour le faire travailler. Ouais. Suspendre supporter un président qui a un mandat fini, qui décide de ne pas quitter le pouvoir. C'est ça le plus important. Il ne suffit pas de prendre quelques sanctions contre des gens qui ont participé dans le massacre de La Saline. Il ne suffit pas de dénoncer les deux derniers décrets de Jovenel Moïse, décrets antidémocratiques, anticonstitutionnels, mais il faut arrêter, il faut suspendre supporter un gouvernement assassin, un gouvernement criminel.
pendant n'a parlé là jodi a y a crasé kaimoun village de Dieu population village de Dieu y a crasé kaili dans quartier populaire yo pral crasé kaimoun cité soleil yo pral continuer crasé kai peuple dans tout reste quartier populaire yo nous même ça nous dit comme avocat comme défenseur indépendant droit monde personne ne peut bénéficier de sa propre faute. C'est gouvernement, c'est Jovenel, c'est PHTK qui mettait des âmes dans mes bandits dans le quartier populaire. C'est gouvernement, c'est Jovenel Moïse, c'est PHTK qui bat les bandits aux âmes. C'est gouvernement qui fait Genève. Je dis à nous dire oui, il faut arrêter les criminels. Oui, il faut arrêter les assassins. Mais nous ne pouvons pas accepter qu'ils écrasent les citoyens paisibles qui vivent dans le quartier populaire. Dans le quartier populaire, la majorité de moun yo, c'est moun sérieux, c'est moun de bien. C'est moun qui pa gen moyen k'ap viv dans le quartier populaire. Moi-même, moi fait tout temps belè dans tête Fontamara. Moi fait tout temps dans le quartier populaire. Moi c'est petit peuple, moi c'est petit quartier populaire. Moi pa pas accepter la police paraît là, la craser kay tout moun qui dans quartier populaire, tout moun qui est village de Dieu, cité l'Éternel, y a craser kay yo, y a battu yo. Je vais accepter. Oui, nous connaissons, il faut arrêter les bandits. Mais qui est-ce qui met les bandits? Et pas le gouvernement qui met les bandits? Et pas le gouvernement qui fait Genève? Et pas le gouvernement qui met les âmes? Et pas le gouvernement qui met l'argent? Et pas le Sénat qui fait Genève? Comment? Ou pas le fin de faire gang? Quand il y a là, ou écraser la population pour aller prendre gang? Non, c'est pour prendre gang. Mais, puis gars, ou fait population victime. C'est pour arrêter gagner, mais il faut pas gagner victime dans le quartier populaire. En tant que défenseur indépendant de droits humains, on ne l'acceptera jamais. Je ne peux pas quitter tout le monde, dire que dans le quartier populaire, c'est bandilier. Je n'accepterai jamais ça. Moi-même, je vis belle, je vis dans la tête Fontamara. Puis il n'y a personne qui fait ça. Ça n'existe pas. Grégory Saint-Hilaire est dans la ville de Dieu. Moi-même, je suis arrêté. Belle, après ça, mal rete dans tête mon Fontamara. Nous tous qui là, nous passons dans le quartier populaire. Oui. On ne peut pas profiter de sa propre faute. C'est ce gouvernement qui a armé les gangs. C'est ce gouvernement qui a renforcé les gangs. C'est ce même gouvernement qui a eu l'argent. Je dis à même gouvernement ça, pas capable de dire, il a besoin d'arrêter et puis il a fait victime dans le quartier populaire. On ne peut pas accepter ça. Ça qui a passé là, c'est violation de la monnaie. La police fait pour le prendre voler. Il fait pour le prendre délinquant, il fait pour l'arrêter bandit, arrêter criminel, mettez-le en bas code, mais attention, les droits des populations des quartiers populaires doivent être sauvegardés, les droits des populations des quartiers populaires doivent être respectés. Voilà notre position en tant que défenseur indépendant de droits humains. Matin là, c'est collectif victime massacre d'État qui vient de jouer à Comeri. Et n'a souligné tout. Récemment, nous apprenons que le département Trésor américain prend une sanction pour une décision côté sanctionner trois personnalités dans le pays. Il y a deux là-dedans qui sont des officiels, il y a un là-dedans qui sont anciens policiers que tout le monde connaît. Nous croyons que nous-mêmes dans le collectif, là, nous ne pas féliciter. Nous noter parce que nous croyons que ça pas suffit. Tout d'abord, pour nous-mêmes, son honte liée, ce n'est pas une instance internationale qui t'a doué à sanctionner. C'est à la justice haïtienne qui peut faire. Étant donné que nous connaissons aujourd'hui la justice là lui-même, les baïonnés, nous connaissons quartier populaire, nous n'avons pas espéré justice, mais nous avons toujours prié pour nous joindre justice. Nous espérons que la justice va passer maintenant en figure. Précisément, autorité ou même, ministre de justice, commissaire gouvernement et autres, ou même qui impliqués, nous espérons que vous même y a senti au gêné si al garde dans miroir pour poser cette question, est-ce que vous avez raison d'être pour aujourd'hui, pour son instance internationale qui a décidé dans place yo. Pour raison ça, nous disons que ce n'est pas trop tard. Faire un effort, même là nous connaissons justice là, les sous-coupes réglées, mais vous même, nous connaissons des juges qui gagnent fouille, qui gagnent capacité, qui gagnent épaules, prennent responsabilité. Parce que
question ça, question la Saline dans lui-même, il était déjà dans mon juge qui c'est juge Chavanne. Par la suite, tu as deux personnes qui étaient impliqués dans le dossier qui c'est Fenel mon chéri ainsi que Pierrot Duplan, ils ont été récusés juge là. Contre toute attente, nous venons entendre que paraît-il en d'un paquet, tu as gagné des pièces qui perdues dans document. Mais nous dit ça, nous encore vivants. Quel que soit le justice haïtienne n'a prend forme colle, n'a toujours été vivant pour nous demander justice et pour nous jouer une réparation. M'a profité dit tout que je dis à la gagne en pile monde qui déplacé yo qui n'ont situation extrême de précarité. Parce que gagne dans eux même un monde qui déplacé avec trois petites li. Là le cas un cousin ou bien une cousine. Là le font titan et là hébergé. Même manger cousine ça a déjà pas de suffisamment pour le débat petite pâle. Là elle vient gagne tout monde ça elle vient héberger de capacité elle vient augmenter, capacité dépenses elle vient augmenter. Kounya là l'elle font-y manger, son exemple, oui, l'elle font-y manger. Pour le manger avec petite palio, l'oblige à retirer un seul plat parce qu'elle n'est pas capable de faire quatre. C'est un seul. C'est justement dans qui optique qui fait ça. C'est parce que la situation vient pas être difficile. N'a demandé organisation droits humains, et surtout organisation donatrice, qui est habituée à porter aide humanitaire pour au moins eux-mêmes, ils ont retrouvé, ils ont rejoint avec. Collectif là, par le biais de NDDH, au moins pour apporter, nous avons dit, un support. Pour fin d'année, au moins, nous avons joué un soulagement. Comment vous sommes victimes de la salle? Nous-mêmes, dans le collectif victime massacre, quartier populaire, nous disons à Ibobo, à toutes les amis, familles qui t'ont aidé, nous rendre gros sitting ça possible devant le local RNDDH, là, jour qui t'est 8 décembre. Nous avons remercié la presse qui était présente, RNDDH et spécialement M. Pierre Espérance, avec tout avocat engagé qui prend le dossier, qui a battu avec pour nous joindre justice à préparation la donne. Et nous-mêmes, aujourd'hui, victimes ont connu le plus gros moment qu'ils ont connu dans la vie. Tellement ils ont mené une vie difficile. Ils ont lagué tout côté dans la rue. Gien kap dormi dans l'église, gien kap dormi kay pè nan solino, gien kap dormi kay moun, sak avec 3, 4, 5 ti moun. Yo gen problème manger, yo gen problème pour yo bien, yo gen problème pour yo voye ti moun l'école. Donc, ou moun ki senti tout victime sa ou, se moun tankou tout moun, n'ap mande aussi yo ka bay yon ti instance, li tap très bon pour nous. Bon, et y ap jwenn nou pas à travers RNDDH, M. Pierre Espérance, ensemble avec avocat engagé. Ok, qui ça nous a besoin même comme présence dans une instance? Qui ça nous a besoin même? Qui bon. Ça nous a besoin de nécessité? Mounio et dans la rue. Yo. Premièrement, vous avez aimé sortir dans la rue pour à la caillou. Et si vous n'avez pas retourné la caillou, vous avez fermé un caillou pour vous, il a fait du bien. Pour l'instant, nous besoin d'aide humanitaire. Nous besoin de manger. Bon, tant là, lui-même, il cause problème plus toujours. Parce que lui rend Timounio libre et lui rend Timounio enfanté avant l'air lui-même. Ça, c'est le plus gros problème tant là. C'est ça qui fait l'air rete dans Solino avec parents plus capables de voir les yeux sur eux, faire n'importe quoi bagaille par arriver. Et pour finir, collectif victime n'a pas campé, l'a continué travail, Jean lui travaille là. Nous avons sitin n'a organisé jeudi 17 décembre dans matin. N'attend tout le monde devant local Bini pour nous continuer demander justice à préparation pour victimes massacre quartier populaire. Merci. Coordinateur victime Cité Soleil. N'a saluer tout réseau
cap défendre droit monde principalement RNDDH cap font travail colossal dans quartier populaire côté que y a défendre droit nous pour droit nous respecter. Le jour qui était 26 mai 2020, tout le monde te connaît, c'était une catastrophe. Ça était plus qu'une catastrophe, côté que des bandits sans fani loaté ont débarqué dans le soleil, principalement dans Brooklyn. Et l'homme dit nous, bandits, nous connaissons aussi Mikanor avec machine blindée, s'il vous plaît. Et Iska, Mathias, et Barbecue. Actuellement là qui nous situation déplorable. Si junior monsieur ça était dans machine blindée habillé en police même j'ai avec ancien chef ancien policier qui le barbecue là. Eh bien c'est ça nek ça été fait c'est ça nek ça été oublié pas fait. Il était écrasé, il était oublié, il était brisé, il était écrasé en pile caï moun blanc, pile caï moun des dizaines moun mouri en dans Brooklyn jusqu'à mettre dans moun ça aux abois. Yo là l'hôpital. Yo l'hôpital, yo l'église, c'est là abdormi. Yo sous place Cité Soleil là abdormi côté place ça président Cité Banou et bien yo pas jamais nettoyer place ça. C'est là, si nous besoin mon ça est là pour nous venir. Et nous gain information tout. Nan bon on a parlé ensemble avec nous si la police a fait travail li. Tout bon vrai. Si yo pas gagner zeb nan bouchou, yo pas gagner minute nan bois yo, yo kon côté pour chercher barbecue. Barbecue par l'autre côté, c'est Simon Pelé, Belekou. Si vous avez besoin le vrai, la communauté nationale internationale me dit nous ça aujourd'hui. Si vous avez besoin de barbecue, c'est Boston, Pelé Simon, Belekou. C'est là que je suis. Ça veut dire que je suis allié à l'Ielle qui c'est Iska, Mathias, Mikanor, tout le monde. Je ne vous dis pas que je vous ai lagué deux bois balancés. Et mesdames, ça m'est arrivé là, côté que tout le monde a supposé passer une bonne fête, et bien, nous avons aboi. Nous-mêmes, qui fait partie du collectif là, nous ne connaissons pas qui c'est pour nous relayer encore, pour nous capables de demander justice et réparation pour nous. Parce que si nous avons justice dans le président Jovenel, c'est bien côté mal calculé. Et c'est vraiment ça, nous avons nous tous connaissons, c'est 7 février 2021. Et gouvernement de transition qui parle représenter le peuple là, côté que nous pourrons charrier les revendications de toutes les masses, toutes les victimes pour capable de faire justice et réparation. Tant pis, si vous avez besoin, mais je vais dire ça encore, si vous avez besoin de les barbecues à criminels sans foi ni loi, vous pourrez aller à Belekou, Boston, Pelé Simon. Merci un peu. Moi, c'est Louis Etienne, responsable de victime, c'est celui-là. Louis Etienne.